Et c'est Sandar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pop avec moi toujours, trois pop à deviner à l'aveugle et c'est toujours Saran qui me les donne hors caméra. Et la dernière fois j'avais encore fait un sans faute, j'espère continuer dans cette lancée. Allez Saran, première pop. Saran n'est pas prêt. Il déballe, il voit pas le fond du bal. C'est parti pour la première pop. Oula. Petite pop que tu devrais deviner facilement. Oui, ça a des couettes. Oui. Ah, ça a des... ah c'est Harley Quinn. Ok, tu peux Bombshell. Dire un peu plus. Ok, là, deviné, le temps record, bravo. Et là, enfin, c'est Harley Quinn Bombshell. Oui. Je suis trop contente. Tiens, ta boîte. C'est enfin Harley Quinn Bombshell que je voulais. Si vous avez suivi, normalement, hein, si vous êtes là, vous avez vu. J'avais eu dans les autres ouvertures la Batgirl en premier. Et ensuite, la Wonder Woman en chase. Elle est en sépia. Harley Quinn, je l'ai enfin. Mais elle est trop belle. Elle est géniale. Elle est parfaite. Elle a un petit losange là sous l'œil. Derrière, sur la veste. Il y a bien le Joker et la pop est vraiment très ressemblante pour le coup. J'ai senti les petites couettes, j'ai senti les lunettes et j'ai dit bah c'est ça. Si je la devinais pas, franchement, shame on me. Hein. Et voici la deuxième pop. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a des trucs sur la tête. Oui. Elle a des lunettes. Non. C'est pas un humain quoi. Non. Là, j'avoue, j'étais très speedou sur la première pop. Là, j'ai fait ouais, yeah, yeah, genre YOLO, Thug Life. Mais là, je fais moins la maline hein, pour le coup. Mais ça a des pieds. Oui. C'est un monstre. Non. Ça a une queue. Oui. C'est un monstre robot. Non. C'est un robot. Non. C'est un lézard. Non. C'est quoi ça? Un casque? Oui. Ah, un casque, ok. Est-ce que je connais la licence? Oui. C'est un jeu vidéo? Non. C'est un film? Non. C'est un comics? Non. Un dessin animé? Oui. C'est Denver le petit dinosaure? Et non. Un dessin animé, un Disney? Non. C'est un animé? Non. Est-ce qu'il est sorti récemment? Non. C'est un vieux truc. Oui. Ça a des boutons là, à moitié là, c'est dégueulasse. Non. C'est quoi sur son casque là? C'est des antennes? Non. C'est le devant ça? Oui. Il a un nez comme ça? Oui. Pas en difficulté là. Ouais, bien, tu peux, bien, un bien, petit bien, peu. Bien. C'est une visière. Oui. Il y a un truc avec une visière, un nez, des trucs sur la tête. Oui. Et avec une queue? Oui. C'est quoi ce truc? C'est des écailles derrière? Non. Tu vois, pourquoi j'ai l'impression que c'est un lézard moi? Ah oui, bah non, non. Non, c'est pas un lézard. Je jure que non. C'est pas des écailles? Non. Et est-ce qu'il est gros? Non. C'est du DreamWorks? Non. Du Pixar? Non. Tu m'as dit que c'était pas des antennes? Non. C'est de la déco sur son casque? Non. C'est un casque de quoi d'ailleurs avec une visière? De moto? Non. D'aviateur? Non. Ok. Non. Chantier? Non. C'est un lézard avec un casque de chantier. Tu vois ça dans ma tête. Hein. Tu savais ce que je voyais, genre, les yeux fermés, mais. Bah, je peux pas savoir. Faudrait que je fasse des dessins, tu sais, en même ah, temps. Ah oui. Là, il a des ronds là. Des écouteurs? Non. C'est ses oreilles? Non. C'est un mâle? Oui. C'est pas un monstre, tu m'as dit? Non. C'est un animal? Oui. Avec une queue? Oui. Une petite queue? Oui et non. Ah, est-ce que c'est du poil en fait? Oui. Allez, c'est pour ça que moi, un dinosaure, tu comprends, parce qu'ils ont mis du ils ont mis de la texture, mais du coup comme c'est dur, et ben ça fait écaille. Est-ce que c'est un chat? Non. C'est un chien? Oui. Ah, c'est un chien? Oui. C'est Snoopy? Non. Un dessin animé avec un chien? Oui. Je connais? Oui. Tu l'as vu? Mon cul? Oui. Et moi je l'ai vu? Oui. Mon cul? Oui. Ah. J'ai vu le dessin animé? Oui. Est-ce qu'il est habillé le chien? Non. Mais il a juste un casque? Pas juste un casque. Est-ce que c'est sa tenue normale? J'ai envie de te dire non. C'est une tenue dans le dessin animé? Oui. Un casque comme ça, ça me fait penser à Frankenweenie? Non. Donc c'est des diodes en fait? Non, c'est un casque de. C'est presque ça, oui. Ah oui, d'accord. Il a des pattes, il est assis. Oui. C'est un dessin animé fantastique. Oui. Oh, dans Rick and Morty. Oui. Le chien, comment il s'appelle? Le caniche là. Ah merde, c'est boule de neige. Oui, Snowball en anglais. Bien joué. Ah l'enfoiré. Ah, tu l'as trouvé. Snowball, il était vraiment pas facile à trouver. Pour l'anecdote, c'est un casque qui rend intelligent. Exact. Dans le dessin animé, en fait, il prend le contrôle des autres chiens et fabrique d'autres casques du coup pour les chiens et du coup ils deviennent tous intelligents, ils envahissent la terre et ils dégagent les humains. Il est super beau, il est magnifique, il est trop mignon et puis le casque il est trop beau parce que le transparent bleu là c'est super bien fait quoi. Vraiment trop beau avec son petit collier, sa petite queue du coup que je sentais. Et puis au final l'effet poil, même si du coup à l'aveugle ça fait n'importe quoi, du coup là ça marche super bien quoi. Et la petite diode qui est du coup bien transparente et qui est trop belle quoi, enfin, ça fait vraiment bien. Je suis fan des pop qui ont des choses transparentes dessus, ça a de la gueule en fait. Elle m'a posé beaucoup de problèmes, mais je l'adore. Beaucoup de problèmes, mais elle est vraiment belle, je suis contente. Troisième pop! Wow. Oula, ça a des cornes. Oui. On dirait que c'est maléfique. Non. Il y a un truc dans la main. Oui. Là, cette fois-ci, c'est un humain. Oui. C'est une veste. Oui. Alors, ça a une espèce de houppette là sur la tête. Tout à fait. Mais c'est ses cheveux? Oui. Et qui partent en couille comme ça derrière? Oui. C'est un dessin animé? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un dessin animé récent? Non. Ah, on peut se gratter le nez avec. C'est début 2000? Non. 90? Oui. C'est un Disney? Non. Arrête avec ton Disney. J'aime pas Disney.
j'achèterai pas les parcs Disney. Sauf la Reine des Neiges. Oui. Ça m'a un truc, c'est la main là. C'est un moule Tepas. Non. C'est pas une carte. Oui, c'est une pop extrêmement belle qui m'a fait craquer quand je l'ai vue. Elle est sortie très récemment. Pour un truc qui date des années 90. Exactement. C'est connu. Oui. J'ai déjà vu. Oui. Batman. Oui. C'est vrai, c'est dans les Disney Batman. Oui. C'est Joker. Oui, bien joué. Tu peux ouvrir les yeux, voici la boîte. Oh, elle est trop belle. Je savais que ça te plairait. The Joker. The Animated Series. L'ancien Batman. Exactly. Ils viennent de sortir les pop cool. À l'ancienne, quoi. Ouais. Elle est super belle, quoi. Sa coiffure et tout. Bon, du coup, à l'aveugle, pareil, ça faisait vraiment n'importe quoi. C'est super cool. Avec sa petite carte, avec ses chaussures et tout, son costume violet pétant, là. Qui fait très, du coup, de Joker de Burton, quoi. Magnifique. Elle est super belle. Les couleurs sont juste ouf. La couleur des cheveux, même son costume, quoi. Ouais. L'orange, son nœud bleu et tout. Du coup, j'ai pas le droit de me spoiler pour derrière. Elle est trop bien, cette série. Je suis pressée de voir si, je pense que Saran en a pas commandé qu'une seule, le connaissant. J'aimerais bien, voir les autres. Les dessins étaient juste magnifiques. Malgré que ce soit des pop et que ce soit déformé, ça respecte quand même les traits anguleux, en fait, de cette série. J'adore. Alors, Sandra, laquelle préfères-tu ? Laquelle préfères-je ? C'est très dur. Entre Harley Quinn, ton personnage préféré de Batman, la petite Snowball, boule de neige, quand même Rick and Morty, qui est un dessin animé que j'apprécie beaucoup, mais surtout la pop qui est vraiment très belle. Ouais. Et la Joker, du dessin animé de mon enfance. Oh, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. J'y arrive pas. J'ai le droit d'en choisir trois. Non, t'en choisis qu'une, Sandra. Boule de neige. Parce que c'est un petit toutou et qu'elle est trop belle. Elle est trop travaillée, elle est trop bien. Elle est propre, quoi. Je peux pas dire que les autres sont moins ni gna gna. En fait, elle est vraiment trop mignonne. Donc c'est à vous, à votre tour, de choisir laquelle vous préférez, à me le dire dans les commentaires. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que c'est pas facile de choisir laquelle est la mieux dans les trois. C'est encore un sans faute de ma part. Je commence à être la spécialiste des pop. Bon, après, heureusement que je pose des questions et tout ça, mais il faudrait un peu corser le jeu. Je pense que je vais t'autoriser peut-être la prochaine fois un nombre limité de questions. Ça pourrait être intéressant. Ouais, on peut faire ça. Dans les commentaires, dites combien de questions elle a le droit. Voilà. Peut-être une dizaine, c'est pas mal. Ouais, pour me pimenter le truc. On se laisse. J'attends vos commentaires, votre avis, tout ça, tout ça. Votre petit pouce bleu, parce que ça me fait vraiment plaisir. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos de la AIS Family. Ciao. We'll be right back.